Bonjour, je m'appelle Emmanuel, de Manu, le malin, the driver, en direct de Montréal, mon amour. Je suis venu aujourd'hui, je suis venu jouer au pique-nique électronique. Depuis le temps que j'en entendais parler, j'ai pas été déçu. C'était vraiment bien. Il y a eu une espèce de magie qui s'est opérée entre le soleil, la pluie, les gens et moi. Et mes disques aussi. Et c'était vraiment bien. Je savais que j'allais jouer 2h30. J'ai abordé le set beaucoup plus down tempo. Et plus minimal, mais pas le style minimal techno, mais plus épuré dans la musique. Enfin, je crois que j'ai réussi à faire ça pour prouver à moi-même déjà aussi, parce que parfois je me plante, mais et aux gens aussi que j'ai pris un autre nom pour faire quelque chose de vraiment différent. Parce que j'aime vraiment la techno plus groovy, un peu trans, pas le style, mais plus la philosophie, l'approche, que d'être tribal. C'est pour ça que j'ai pris un autre nom. J'aime toujours le hardcore, vraiment, ça c'est la vie. Ouais, moi je suis venu à Montréal en 95 déjà, donc, mais il est vrai que... cette année, je suis accompagné de ma blonde et elle connaissait Montréal déjà, mais peut-être pas le même que moi. Moi, je connaissais le Montréal Nightlife il y a 10-15 ans de ça, et avec les bars rock, goth, metal, techno, où on dort pas beaucoup la nuit et du coup la journée on dort, et du coup j'ai pas vu grand chose. Et là, je suis en train de découvrir, j'étais jamais descendu dans le vieux Montréal. On va aller au Mont-Royal là dans deux jours, monter à pied, tout ça là, c'est... Bravo. Moi, j'aime cette ville, en fait. Je suis parisien, j'aime ma ville, j'aime Paris. Paris, c'est la plus belle ville du monde, mais en deuxième position, je mettrais Montréal, sérieusement. Voilà. C'est pas du... parce que je suis ici, c'est vraiment ce que je pense. Pour l'intensité des gens et ce qui se passe. Voilà. C'est cool.